Bonjour et bienvenue. Plus de Resident Evil 4. La dernière fois, je m'étais légèrement... Pas énervé. Je suis une personne très calme. J'ai juste envie que le monde brûle, mais je suis une personne très calme. Pas énervé, mais frustré. Frustré. On a tous besoin je plaisante, bien sûr. Mais oui. On a été... Oh là là, il l'a qui arrête pas de parler. On a été... Changer d'angle de tir peut parfois faire la différence. On a été très frustrés en fait. Parce que, encore une fois, j'avais expliqué que le curseur et tout ça s'élargit trop et c'est un peu aléatoire et tout ça. Vous pouvez, genre, vous regardez sur YouTube, il y a des vidéos comme ça. C'est le Bloom de Fortnite par exemple. Les gens vont vous montrer en fait. Voilà, c'est le plus connu, c'est là-dedans. Enfin bref. Mais c'est vrai que nous, le plus important en fait, après ils ont été, honnêtement, ils ont été quand même sympas. Parce que là, on a des argent avec les étoiles. Donc plus on a d'étoiles et plus on a d'argent. Donc bon, ça c'est le plus difficile en fait. Faire les étoiles, c'est faire des points. C'est faire le plus de points possible. Par contre, après, quand on a au moins 8000 points, on a une or. Ça, je sais pas ce que c'est au final. Ça aussi, c'est de l'argent. Parce qu'en fait, l'icône n'est pas exactement pareil. Je crois que c'est exactement les mêmes. C'est juste que l'icône... Je vois pas pourquoi l'icône a une luminosité différente. Enfin bref. Et après, le 100% des médailles. Alors, le 100% des médailles au TMP, honnêtement, c'est bien casse-couille. Pareil avec celui-là, TMP, fusil, émeute. Enfin bref, c'est quand même bien galère. Mais... vous n'avez pas besoin de faire un bon score, en fait. Si vous voulez faire 100% des médailles, pour ceux qui n'y arrivent pas, faites comme moi. C'est que vous faites 100% des médailles, même si vous tirez en fait sur les matelots amis, là, vous faites moins 500. Vous en foutez en fait. Il faut absolument tuer toutes les cibles en fait. Il faut tuer tous les pirates. Et à chaque fois que vous voyez des médailles, il faut bien détruire les médailles. Mais du coup, vous pouvez un peu, genre, spray comme vous voulez, même tuer les pirates qui vous font moins 500. Enfin, non, pas les matelots qui vous font moins 500, c'est pas très grave. Vous n'êtes pas là pour jouer au score. Vous êtes là pour jouer en fait à la médaille. Et c'est pareil pour la portion bonus, parce qu'il y a des médailles aussi à la portion bonus de fin. Et la portion bonus, en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne tirez même pas en fait sur les coffres et tout ça. Vous en foutez, vous n'êtes pas là pour les points. Vous vous concentrez à trouver et à tirer sur les médailles. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, j'ai qu'une seule étoile. Parce qu'en fait, je me suis que concentré à faire les médailles. Donc, voilà. Donc, au final, ça passe. Au final, ça passe. Vas-y, je veux la voir. Est-ce qu'elle s'assoit automatiquement ou... un peu. Ça va, les animations sont classe. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas un très bon score. Mais on a au moins l'or, la médaille d'or, le truc d'or. J'ai aussi... putain, j'ai trouvé les mots, moi. Je refais un peu d'ordre. Parce que du coup, j'ai mis les gros fusils là de ce côté. Comme ça, on se concentre juste sur cette partie. Quand on doit bouger les objets aux alentours. Genre quand on récupère des objets, comme ça, c'est plus facile pour moi. Oh, voilà, c'est juste des petits détails. Créo, alors, tu vas comme ça. Tu sais combien de temps j'ai mis pour nous préparer ? Mon dieu. Alors, on a sauvegardé. J'ai bien envie. On en a 6. Donc la dernière fois, on avait fait 2 x 3. Et honnêtement, on a eu 2 épiques et c'était exactement les mêmes. Donc j'ai bien envie de faire 2 ors en fait. 2 ors, 1 argent. Comme ça. Augmente les chances d'obtenir un. Donc on fait comme ça et comme ça. Alors après, j'ai sauvegardé, alors je dis pas non pour genre recharger une partie et voir un peu si on peut avoir des trucs différents. Genre vie restaurée avec les vipères, bon bah du coup les vipères on en trouve plus, c'est cool. Donc là on a eu un commun par exemple, avec deux jetons d'or, c'est vraiment pourri les pourcentages. Prix de revente des munitions, on l'a déjà. Je crois qu'on va recharger la partie, honnêtement. C'est vrai que j'ai pas fait ça, mais c'est une stratégie qui est... Ouais, on a encore le même. C'est une stratégie valide hein, de faire ça. Hein. Si vous voulez vraiment pas trop vous embêter, faites ça. Hein. Alors, bonus de création de munitions pistolet. Mais on a beaucoup de fois les mêmes. Hein. C'est fou quand même, c'est un peu incroyable. Alors, on va recharger la partie, s'il n'y a rien d'intéressant. Mitraillette, on n'utilise pas. Y'a strictement rien d'intéressant, c'est ouf. Vie restaurée par les herbes vertes, 50%. Ouais, mais c'est pas très intéressant non plus, en fait.
Ça, sur papier, ça a l'air pété, en fait, les herbes vertes. Mais déjà, les herbes vertes, on les trouve pas vraiment souvent. On les trouve pas vraiment souvent. Et la plupart du temps, on va les garder et on va les fusionner avec une rouge. Alors après, en gros, ce que ça voudrait dire, c'est que bah, vous évitez d'utiliser des rouges, en fait. Vous utilisez les vertes seules. En gros, ce serait ça. Non, c'est nul. En fait, sur papier, ça a l'air bien, c'est bien, en fait, mais en pratique, non. Et puis, en plus, c'est sans parler du fait qu'on peut récupérer de la vie avec d'autres objets, comme les poissons, les sprays, les œufs de poule et tout ça. Donc, ouais, non, c'est même pas intéressant. Ouais, on va recharger la partie. Bah, du coup, en fait, c'est... je crois que c'est celle-là. C'est pas si mal, en fait, de recharger la partie, comme ça, ça nous en fait voir d'autres. Et puis, honnêtement, le jeu, il est méga rapide à charger. Regardez-moi ça, c'est ouf. Honnêtement... Ça, c'est un jeu qui est optimisé. Vous voyez, ça, c'est un jeu qui est optimisé. Ça fait vraiment plaisir. Ce jeu est extrêmement rapide. On a tous besoin d'une pause de temps en temps, par vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye, genre, un or. On peut voir. Coût de la réparation du couteau. Ça m'intéresse. En gros, après, honnêtement, si vous voulez vraiment être à 100%, enfin, si vous voulez vraiment tout le temps avoir des bonnes choses et faire en sorte que... Oh, ça, on l'a déjà. Faire en sorte d'avoir des trucs intéressants, vous sauvegardez à chaque fois que vous avez un truc qui est bien. Genre, par exemple, là, la réparation de couteau, je pourrais sauvegarder et après recharger encore. Ah, les sœurs Bella. Bonus création de munitions Magnum, ouais. C'est pas super. Alors, marche à pied. Coût d'amélioration des armes, moins 5%. Enfin, c'est 5%. Mais... C'est pas énorme hein, ce qu'on a eu. Oh, scarabée, rhinocéros. Prix de revente des objets de soins, plus 100%. C'est pas si mal. Est-ce qu'on peut les voir Non, faut... Attendez. Faut se mettre à la sauvegarde. Je vais mettre mes lunettes, sinon je vais avoir mal aux yeux. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Ce qui m'embête le plus, c'est d'avoir deux fois encore le même. Ça va faire trois fois en fait qu'on l'a celui-là. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Genre, revendre des objets de soins. Alors, plus 100%, c'est pas mal. Je sais pas si ça marche sur les poissons par contre. Que les poissons, c'est des objets de soins aussi, techniquement. Mais ce genre, par exemple, là, ça fait 5000, bah on aurait 10 000. 10K le. Mais bon, c'est pas vraiment des trucs qu'on vend, en fait, donc ça sert un peu à rien. Les coûts d'amélioration, moins 5%, c'est très bas. 5%. Le coût de réparation du couteau, moins 30%, ça c'est bien. Munition de mitraillette, on s'en fout. Munition de pistolet, donc c'est ce qu'on a. Magnum aussi, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas vraiment des choses qu'on fait, en fait. Ah, on a deux fois le même et on a 15 et 20%. Ah! Tu veux voir, on peut mettre les deux? Ah! Ça fait... C'est sûrement fait exprès, en fait. Genre pour que ça aille ensemble. Alors du coup, on aurait 35%. Pour le bonus. Ouais. Je vais être honnête. Bienvenue. Si ça... J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Je vais voir. On va faire ça. 1600. J'achète 10 000. Tout et n'importe quoi. Ouais, ça marche sur les poissons et tout ça. Parce que c'était 800 celui-là. Ah, et là, spray, on a 10K.
trésor ou babiole, ça une autre fois peut-être. Je sais pas, ça m'intéresse pas des masses en fait ce qu'on a eu. Y'a que le coût d'amélioration, moins 5% qui peut être pas mal. Oui, et ça là, le couteau. J'aime bien ce que c'est Léon de... On dirait Léon de l'original en fait, pas Léon de celui-là. Les cheveux ils sont un peu plus longs. Mais même lui en fait, on dirait que c'est des trucs de l'original, du jeu original. Ouais, m'intéresse pas. On va recharger. Je suis désolé mais c'est... je trouve ça bof. Il y a que le, à la limite le couteau qui pourrait être utile mais bof, c'est pas... Voilà. Mais on a eu un meilleur résultat avec un or. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Un or et deux argent, je pense que c'est mieux. Coup de réparation des couteaux. Alors ça, on va le sauvegarder. Ouh, on était un peu trop proche. Là, ça, ça. On va le sauvegarder. C'est un peu du... Comment on... Arme à feu, rime avec comment on dit ça? Save scum. J'aurais même pu sauvegarder autre part. Étranger. Genre là, ce qu'on fait, c'est du save scum. Hein. C'est exactement ça. C'est comme... C'est... Le recharger jusqu'à ce temps qu'on ait la chose parfaite, en fait. Mais bon, là, ça... On est tombé sur un truc intéressant, donc on sauvegarde. On va voir un peu ce qu'on arrive. Après, je vais arrêter de faire ça. C'est juste pour en voir le plus possible. Oh, mais t'es sérieux, sans déconner, quoi. Il y en a très peu des épiques, en fait. Genre, il y en a très peu de différentes sortes. Ah, je crois qu'on va... Je crois qu'on va arrêter là. Alors, on a quasiment la même chose en plus. Bon, je... Enfin non, c'est même pas quasiment, je crois que c'est vraiment la même chose. Je crois que c'est exactement la même chose. Je crois que c'est la même chose. Les mêmes objets. On a exactement les mêmes objets, je pense. Toi tu... Si, c'est les mêmes objets. C'est super étrange. Vous croyez que c'est fait exprès? Vous croyez qu'il y a une sorte de... De RNG interne, en fait? Genre, c'est déjà sauvegardé pour éviter les... Bah, de faire ça, en fait. Du save scum. Pour éviter ça. Vous pensez que c'est fait exprès? Parce que là, honnêtement, pour avoir exactement les mêmes objets, je crois qu'on les a eu peut-être dans le même ordre. C'est un peu incroyable. Bon, le couteau, on n'a pas besoin de le réparer. Ça, il faudrait le vendre. Ça me fait un peu chier, à chaque fois. Pas le... Ouais, on peut pas le... Ah. Ça, c'est le coût d'amélioration. Si. On n'est pas là pour vendre, hein, de toute façon. Hein. Non, on n'a pas de trésor. L'odeur du con, bienvenue. Tais-toi. J'ai plein de choses. Il y a le spray que je voudrais acheter, parce que le spray, on n'a pas... À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, là. Pas trop d'armes. Les richesses que tu as versées. On va prendre le... On va prendre le son, je crois. Mieux vaut prévenir que... Reviens. Ouais. Quand tu veux, sur... Okay. Nickelo. On va. Voilà, 15 minutes de ça, c'est bien. Non, c'est pas du temps gâché. Bref, nous on était où en fait? Parce que honnêtement j'ai oublié. Ah oui, il faut faire... Trésor enfermé. Voilà. Ah! Ça là. Une sorte de clé carrée là. Salut étranger. Salut. Attends, on va revenir au grand hall parce qu'on doit faire les médailles. Ah oui, non, attends. C'est ça, parce que sinon on va perdre les carreaux. Qu'est-ce qu'on a là, tout en haut? Non, on n'a pas fouillé en fait. Statue là-haut. Ah oui, mais on n'a pas fouillé, on était arrivé ici, mais on n'a pas fouillé du tout.
Ok, faut que je me mette en mode combat. Ah, vous avez vu, le magnum, il est dans le holster. Quand il a le pistolet à la main, j'avais pas fait attention. C'est quoi ça? Ah, il faut des parties. Ok, il faut trois têtes. C'est quoi? Une chèvre, un lion et un serpent. Il y a un relief sur le mur. Ah. Alors, des rats ont infesté la partie du château et rongent les livres inestimables. Mais ces hérétiques s'en fichent complètement. Que quelqu'un nous débarrasse de cette vermine avant qu'il ne soit trop tard. Exterminer tous les rats. En haut de la bibliothèque, il y en a trois à tuer. Très bien. Nickel. C'est un Romain, ça? Oui, c'est un Romain, ça. Intéressant. On en a un là. Il est où exactement? Il est au-dessus. Ou en dessous? Non, il doit être au-dessus. On peut peut-être la voir de là, en fait. On va voir. Allez, on avance un peu. Ah, la tête de serpent. Une statue de serpent. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, Ashley. Éloigne-toi. Oh. Attends. Ah, une salle à manger. Oh, merde. Manger ici? Non, merci. Ah. Attends, on peut faire venir des gens. Ok, on va attendre. Par contre, les rats... Ah, va falloir faire sonner les bonnes, en fait, je pense. Ok, alors, fais voir. Il y en a deux de tableaux. Ok, donc ça, c'est la reine et le roi, j'imagine. Enfin bref, on s'en fout de... donc... Par exemple, elle a rien. Elle a deux. Elle a fourchette, cuillère, deux couteaux, deux différents couteaux. Et sinon, t'en as beaucoup des missions dans ce genre-là. Ouais, on peut dire ça. Sauf que je suis pas toujours aussi bien accompagné. Waouh, ça y est. C'est un compliment. Ah, prends-le comme tu veux. Vous commencez à flirter. Je crois que celui-là. Fourchette, couteau. Ouais, celui-là. Ah! Assieds-toi. Compris. Ok, ok. Et moi, je vais à celui-là. Donc, c'est avec du vin et un pain. C'est celui-là. Attends. Vin, pain, trois couteaux, deux fourchettes. Deux fourchettes, une cuillère, trois couteaux, un verre. Un verre, le vin, c'est celui-là. Je crois qu'on a trouvé. Très bien. Ça va, sympathique, le...
Attends. Là. Très sympathique le petit gadget. Petit puzzle. On la laisse un peu courir, hein, là. Hé, hey, Léon, tu veux pas une armure ? En guise de gilet pare-balles. C'est un peu trop vintage, je trouve. Dommage. Je suis sûre que ça t'irait bien. Ça y est, vous êtes super amis et tout. Vous êtes... vous allez faire que flirter tout le long. Non, ça va très bien. Maintenant que j'achète du soin, on en a pas mal. Ça, on va le charger. Ok, très bien. Je me replace, désolé. Et là, c'est un peu trop tranquille, du coup, je suis en train de me relâcher. Je fais pas trop confiance aux armures, honnêtement. Mais ouais, comme je disais avant qu'il me coupe, genre Ashley, on la garde au loin, comme ça elle peut se balader. Oh, là. Pousse-toi. On peut se balader un peu et quand on doit combattre, on la rappelle. Bon, ben, on va descendre. Je pense qu'on va combattre un truc, là. Ashley, reste là-haut. D'accord, sois prudent. Ah, on va essayer. Je crois qu'on a besoin d'Ashley. Hein. Oh, il y a sûrement un piège qui va se déclencher. C'est pas normal que le sol soit aussi défoncé en fait comparé à tout le reste. Si on doit pas les contrer, genre si c'est pas plus simple de les contrer en fait. Oh la vache. Ah, elles sont protégées en fait. Wow. Ça tue ? Oh merde ! T'inquiète pas, Ashley ! Tu vas y arriver ! Ok, alors deux. Lâchez-moi ! Ok, on va tuer les deux. Dites-moi que j'ai assez, ok. Attrape ! En fait, elle se protège de la lumière dans les armures. Ce qui m'embête, c'est que on utilise un peu de munitions pour pas pour ça. Quoi. Putain, elle est derrière celle-là. Prends ça, laisse-moi tranquille. Eh, tu gères. Ashley, c'est bon. Mets-toi à l'abri. Bien.
Oh merde. On utilise la grosse grenade. On utilise la grosse grenade quand ils sont pas exposés. Je sais pas si ça va marcher. Ça a l'air de, d'avoir fait un peu. Ouais, ça a aidé, ça a aidé. Ashley, t'aurais une autre lampe ou pas? Ok, bien joué. Hey, est-ce que ça va? Ouais. C'est de la camelote, ces chevaliers. Ça marche. Léo. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mon héros. T'es sûr que t'as rien? Je t'ai pas brûlé, j'espère. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. J'avoue. J'avoue. Ouais, ça va. On a... Ouais, on a utilisé des trucs. Bon. On s'est pas fait toucher, c'est le principal, on va dire. Et on peut faire ce qu'on veut, en fait, pour le moment. Ça va. Faut que tu m'aides. Ashley. Ok. On s'est pas fait toucher et... Oh mon dieu, il y a encore des statues. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'est pas fait toucher... What? Oh, ok. J'avais pas... On n'a pas perdu de vie. Et on peut crafter ce qu'on veut. On a assez de... On a assez de poudre et de fer et tout ça. Donc, honnêtement, on est bien. Nope. Elles vont pas bouger, hein. Objet cubique. Oh! Je crois qu'on a trouvé la clé. Ouh, oui, on a trouvé la clé. Et je crois qu'elle a... Ouais, ça doit être plusieurs clés, en fait, en une. Cool. Ça, c'est cool, ça. Oh! J'avais même pas fait attention. J'avais entendu le bruit, mais... Alexandrite. Magdum. C'est vrai que j'ai pas trop le réflexe de regarder les tiroirs. Enfin si, je l'ai un peu, mais on va dire que c'est pas parfait, quoi. Alors... Ah bah attends, on peut directement faire le truc Kubrick. Là. Jette un œil, quelque chose va forcer... Ferme ta bouche. Comment te plaît ? Alors. Là, on a une fente. Une fente en cube, donc c'est celle-là. Ouais, c'est bon. C'est sympa ce. Sympa ce système, j'aime bien. Lampe papillon. Okay, lampe papillon. C'est trois cercles. Du coup, 3 cercles, le mieux c'est le trio 1.4. Donc, du coup, on peut le faire. Ah! Je peux pas me mettre directement sur les emplacements qui sont vides. La pose honnêtement. Est finie, je suppose. C'est pas. C'est pas difficile à coder ça. Alors, quand il écrit nul, tu mets. Enfin, bref. Désolé, je me... des fois je fais. Je me plains un peu. Alors la salle à manger.
Genre là maintenant, j'imagine. Salle d'audience, la salle d'audience, c'est ça? Ah, vous pensez que c'est pour revenir en arrière maintenant que je... Parce que là, ça va du côté gauche. Parce que si on peut revenir ici... Si, ça doit être ça. Vous vous rappelez la salle qui était fermée? Ça va s'arrêter là. On paraît que ça va s'arrêter là? Ici? Vas-y, on y va. J'espère que t'as pas le mal des transports, au moins. Tu vas vite le savoir. On est arrivé. Je suis certain que ça va être là. Grand salon. Il n'y a rien. C'est ça. Hop là. C'est ça. Donc, on va sauvegarder juste au cas où qu'il y ait des nouveaux monstres, mais... hop. C'est ça, donc il faut aller à gauche. Ah, ça nous ramène ici. Alors, on a une petite clé. Oh la putain, ça, c'est là qu'il me faudrait la grosse grenade. Ah, fais chier. Qu'est-ce qui se passe? Gloria la Flora. Comme ça, on les tuera plus facilement. Là, on gaspille. Mais bon, c'est quand même plus facile. Quel bordel. On gaspille un peu parce que... On a eu quoi? Beryl rouge. Parce qu'en fait, ils arrivent... Ils s'étaient jamais au bon moment... Genre c'était... Il y en avait quelques-uns qui se transformaient, d'autres non et tout. Donc c'était... S'ils pouvaient tous se transformer en même temps. En fait, je pense qu'il faudrait lui tourner autour jusqu'à ce qu'il transforme tout le monde en une fois. Et là, on aurait pu tuer tout le monde en une grenade. Enfin bref, vous avez compris le... Alors, on a le cercle. Comme ça. Pas le demi-cercle. Ouh, c'est quoi, c'est Jeanne d'Arc? Justicia. Ah oui, la justice. Justicia, 12 000. Une déesse tenant une balance à justice devant elle. Alors, lui, il est toujours là. Jette un œil, quelque chose de bienvenu. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Merci. Très bien. Tu fais des... Reviens quand tu veux, surtout. Tu veux voir mon couteau? Il est à moitié. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, la pause est finie, je suppose. Tu parles beaucoup, hein. Alors, coup de réparation du couteau... on va regarder si on a des améliorations à faire. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Comme neuf. On
je vais voir. On est à 33K. Je pense que ça peut être pas mal de le mettre à fond, honnêtement. On va bien monter les modeler autres. Une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et voilà. Elle va pas te faire tuer, hein? Création, fréquence du bonus de création de munitions de pistolet. On l'a toujours ça, mais c'est le truc qu'on n'utilise jamais parce que honnêtement on crée jamais de munitions. Enfin de pistolet en tout cas. Les seules munitions qu'on crée le plus souvent c'est les le fusil à pompe parce que le fusil à pompe c'est le fusil à pompe quoi. Mais c'est tout en fait. Par contre je veux juste voir les requêtes. Tous les médaillons, donc ça, c'est pas grave. Rad, rad bibliothèque. Grand hall et bibliothèque. Salle de l'eau, grand hall. Il y a ça aussi. Objectif intermédiaire. Il y a ici aussi le trou dans le mur. Oh, allez, on part en aventure, Ashley. Reste près de moi. Parce que, ouais, là, on va aller loin. Attends. Il y a un tiroir, là. Je l'ai pris ou pas? Il n'y a pas de tiroir. Là non plus. Par là. Non, comment? Non. Je ne sais point lire une carte apparemment. On peut passer par la salle d'eau ou pas? Ah bah si, c'est par là. Pardon, désolé. Oh putain, la salle d'eau, il y avait énormément de créatures. Ah. Et il y a du monde. Ligne droite. T'arrêtes pas. Zigzag. Putain, sprintez mieux les mecs quand même. Attention. J'espère que t'es derrière moi, parce que je me retourne pas. T'es sérieux. Je vais te sauver. Ça s'arrête jamais. Oh la vache. Mais putain, Léon! Arrêtez! Oh, j'ai envie de charger la partie, quoi. Tellement que Léon, il m'a fait de la merde, là. L'autre, il a dû taper un putain de sprint pour l'attraper pendant qu'on courait. Chier quoi, ma vie bordel. Ah, je suis déçu. Ça. T'es blessé. Écoute. Ah, non, on l'a déjà ouvert. Faisons une pause. Ça va aller. Il faut qu'on continue. C'est pas là, c'est à gauche. Et là, peut-être qu'on peut y aller aussi. Ah. Putain, que ça m'énerve. C'est par où? Droite.
Qu'est-ce que ça, ça m'énerve, là c'était tellement mal joué. Oh, fais chier. Pousse-toi, Ashley. Désolé, j'ai glissé. Ok. Ouais, le mieux c'est de les contrer. Les contrer. Ouais, nickel. Ouais, c'est. On s'amuse. Par ici. Attends. C'est ouvert. Merci. Je t'en dois une. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Oh mon dieu, c'est quoi ? Chronique de la famille Salazar. L'aîné Salazar touche sa fin pour guérir Ramon de sa maladie. Sa mère, Catalina, a fait entrer le diable dans leur maison. Voici un bref historique des membres de cette prestigieuse lignée. Première génération, comte Gregorio, le conquérant. Gregorio mena ses hommes pour éradiquer le mal qui s'était abattu sur le château. Reconnu pour sa bravoure, il reçut le titre de comte et se vit confier la mission de garder les démons à l'écart pour les générations à venir. Deuxième génération, comte Hippolito, le sceller. Au prix d'immenses efforts, Hippolito parvient à sceller le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre. Il succomba aux blessures qu'il reçut au combat. Troisième génération, le comte Gregorio, l'architecte. Poussé par une paranoïa irrationnelle, Gregorio dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans des mécanismes aussi nombreux que farfelus. Quatrième génération, comte José Alonso, le paisible. Alonso s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de la famille. Cinquième génération, comte Alejandro, l'extravagant, de nature enjouée. Alejandro fit construire une cour et une salle de bal. Il mourut prématurément. Sixième génération, comtesse Maria Isabelle, la dame, veuve d'Alejandro. La comtesse Isabelle régna de longues années avant de mourir à l'âge de 90 ans. Septième génération, comte Diego le Sévère. A l'instar de son prédécesseur, Diego était très strict. Il fut assassiné par un diable. Huitième génération, comte Ramon. Sa maladie aurait dû l'emporter. Idole corrompue. Ouais. Je me demande combien ça vaut. Je vais être honnête, je suis légèrement déçu, donc bon. Ça vaut le coup d'explorer un peu plus ou pas ? Ah ! Attends, peut-être qu'on peut. Vous vous rappelez le tiroir ? Oh la vache ! Là, on est mal. Tout va bien ? Ouais, ça va. Vas-y, go, Ashley. C'est honnêtement, j'ai pas envie de combattre partout, en fait. Tu vas vendre ce que t'as trouvé ? Y a pas de mal à bienvenue. Okay. Alors, qu'est-ce que t'achètes ? 15K. Une affaire bien conclue. C'est nul, 15K. Désolé, mais... hein ? Mets en cœur, faire apparaître des herbes rouges. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Ça m'intéresse pas des masses. J'ai plein de... Reviens quand tu veux, surtout. Ouais. Je sais pas si t'es... On s'est embarqué, là, dans du secondaire. On refait tout le château et tout ça. On va ouvrir juste un tiroir. Je sais pas du tout si ça vaut la peine. Bon, après, on retournera, du coup, sur la cour et le grand hall. Donc, ça va. Mais, ouais, on va voir. Corbeau. On va prendre ça.
Ouais, il y a du monde. Ok, ça qui est bien, c'est que la porte était fermée. Tu te fous de ma gueule là? Casse-toi, Ashley. Merde. Merde. Ok. J'ai cru qu'il allait se transformer. On devrait pas faire des plus de carreaux parce qu'on en a pas beaucoup. 6. Ouais, on a 3 trucs. Ouais, on va faire plus de carreaux. Notre couteau est quand même vachement résistant, donc ça va. Ok. On va essayer de tuer juste en utilisant les carreaux. On va essayer d'utiliser les carreaux le plus possible, comme ça on... Ça sera que du bénéf. Je voudrais bien essayer de trouver des... Attends, là on a un truc, c'est tout en haut. On avait une caisse, je crois, à détruire. Mais bon, le plus important c'est le tiroir, évidemment, parce qu'il y a sûrement des objets, des bons objets dedans. Merde, on peut remonter. Putain, je suis en train de me prendre la tête dans cet endroit. On va passer par le haut. Genre ça, on l'avait fait. Mal, hein. Oh merde, Ashley, go go go. Désolé, j'ai glissé. Ah, elle fait le fist bump. Je l'ai vu. Je suis quasiment certain que je l'ai vu. Vous savez, le fist bump, quand on tue quelqu'un, en fait, elle sert du poing, là, elle fait un fist bump.
Elle faisait ça dans l'original aussi, c'était super cute. Super cute. Ah ouais, c'était Mimi quoi, c'est marrant. Elle fait pareil là. Oh putain, je l'ai entendu trop tard. Super cute. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Ça fait un peu con de dire ça, mais bon, pas grave. Bon. On s'est fait bumper. Pas grave, ça arrive. Une échelle à l'extérieur, intéressant. Okay. Je vais voir. Ouais, ça doit être l'échelle en fait. J'espère que ça vaut le coup hein, de faire tout ça. J'entends. Je vais être honnête, je sais pas si ça vaut le coup du coup. Ah si. Non si ça vaut le coup. Ok très bien. Il est où le truc dans le feu ? Juste là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cassé des trucs comme ça. Ok. Nickel. Ouais, ça va, ça va. On va dire que nos munitions baissent, mais c'est pas critique. C'est loin d'être critique. Donc ça va. Ça se passe bien. Puis on a eu une herbe jaune. Donc ça compense. Bon, maintenant on continue, on avance, on va essayer de récupérer ça, le coffre. Ça va, Ashley, tu suis ? Où est-ce que tu vas ? Désolé. Je vais pas arrêter de penser à ça. Moi j'ai dit super cute quoi. Du monde. Hein. Oh. 5. Cool. Ok, arbalète. Eh merde. Ok, ça c'est celui-là avec les deux niveaux là. Mais est-ce que j'ai le bon setup avec les portes ? Faudrait que je tue lui en fait. Est-ce qu'on peut faire des munitions de sniper ? Ah, on pourrait, mais c'est pas vraiment. Moi j'ai munitions de pistolet, je crois en plus. Donc ce serait potentiellement du gâchis. Ah non, mais les munitions sniper, j'ai pas de porte-bonheur pour ça. Donc à la limite, on s'en fout. Fais voir, c'est 10 et un truc comme ça. Oh, plus 3. Yes, c'est trop. Ah, il y a une échelle ici. Merde, il a muté. Ah, ils ont mis des échelles et tout maintenant. Mal, hein?
Ils ont mis des échelles et tout, donc en fait je me prenais un peu la tête. Est-ce pour que rien. Ça va ouais. Ah ouais. La première fois. Ça marche. Ok, il n'y a rien. On remonte. Et là, il y a l'échelle là pour remonter aussi. Impossible. Impossible. Yes. Donc du coup, je peux aller ouvrir les... Les caisses plutôt. Scarabée orné. C'était où qu'on avait vu des caisses? Oui, bah c'était de l'autre côté en fait. On peut prendre la. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que je peux utiliser les. Non. Léon, tu vas pas me dire que tu veux pas remettre l'échelle? Si, ah c'est bon. Ok, très bien. Il me faudrait un... Ah, ça doit être sûrement là-bas. J'imagine. Enfin, quoique non, on n'en avait pas trouvé la dernière fois. Vous savez, de levier. Ah, c'est bon, t'inquiète. Mais bien. S'il n'y a pas de levier, il faut faire marche arrière. Mais je crois pas qu'il y ait de levier ici, en fait. Il n'y a pas de levier ici. Ok, marche arrière là. C'est un peu chiant, mais... Bon, allez, Ashley. On va devoir attendre Ashley. Sympa leur système de... Du coup, on a du 100%. Hein. C'est, je vais être honnête, hein. On fait du 100% là. À moins les, à part les petits... On peut pas descendre là. Par les petits secrets, genre cacher, je sais pas, genre tirer sur des corbeaux, des conneries comme ça. Mais sinon, on fait du 100%, on fait bien. Tout ce qu'il y a sur la map, il y aura plus de secrets en fait sur la map. Alors, celui-là. On va garder le pistolet à la main, celui-là est rapide. Ça, la porte là-bas elle est fermée donc on va faire ça. Je peux la. Okay. C'est bête qu'il s'est pas fait de. D'animation. Même si on n'est pas obligé genre de l'aider, qu'on puisse quand même la rattraper. Genre je sais pas, c'est un petit truc comme ça pour être sympa, genre ça. Ça déclencherait peut-être une conversation, genre merci et tout, machin. Ok, on a une grenade lourde. Ouais, honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Ça prend plus de place qu'autre chose. Je préfère avoir deux petites. Mais bon, c'est bien. Nickel, nickel, on est bon. Bon, lui... Ah bah attends, toi, on a une surprise. Vas-y, Aiglon, là. Dépêche-toi. C'est plutôt Aiglon, mais... Ok, go. Merde, il est où, ce con? Il est parti. Ah, il est pas bête, hein. Dégage.
va ? Ouais, nickel. Ça va. Par contre, du coup, on peut plus passer par là, si ? Ah, si, on peut. Ça va, ils ont été sympas. Ah ouais, non, du coup, c'est... Bah, c'est bien ficelé, honnêtement. Quand on regarde la carte, c'est super bien ficelé, leur chemin. Parce qu'on a utilisé... Alors, on n'est pas obligé, évidemment. C'est ça qui est cool. Donc, ça, c'est du secondaire. On repasse là. On ouvre le cabinet, là, qui était je sais plus où. Après, on a du secondaire de refaire la muraille. De récupérer tous les objets. Puis après, on se retrouve ici. Et après, là, maintenant, on continue notre jeu. On continue où on s'est arrêté. Non, honnêtement, c'est nickel. C'est très bien fait. Quoi ça? Herbe jaune? Sans déconner. Oh, attends, il y a une caisse. Oh là là, j'ai cru que c'était de la décoration. J'ai cru que c'était. J'ai vraiment cru que c'était de la décoration. En plus, l'icône se superpose avec la machine à écrire. Parce que j'ai vu une caisse, ouais, juste en dessous, par contre. Comment on y accède? Ça doit être juste derrière ça, en fait. Putain, Léon, paquebot, là. Et il aime pas qu'on tourne comme ça, c'est ouf. Sérieux. Nickel. Ah, il y a notre gilet pare-balles à réparer. C'est vrai que... Ok. Il y a notre gilet pare-balles à réparer. Je répare le couteau, mais je pense pas plus vraiment au gilet pare-balles. Oh, bah, c'est du total bénef. Ça va, ça valait le coup, même les baffes qu'on s'est pris, les munitions qu'on a utilisées, honnêtement ça vaut le coup. Ok, donc maintenant on est de retour ici. On a tout fait. Très heureux. Salut, étranger. Ferme ta bouche. Hey. Alors, maintenant, la suite. Ici, on y allait. La salle à manger. Salle à manger, on l'a fait. Il y a la médaillon bleu qui est là. Ah, il est là. Il y a un truc qui est tombé ou c'est les déclats du médaillon? Ouais, non, c'est le médaillon. Attends, on peut déjà passer les têtes. Mon dieu. Genre Léon se baladait avec ça dans ses poches. Ouais, on a ça. On peut pas la balancer, Ashley ? Non. Par où je passe ? Celle des armures, on l'a faite. Celle-là, on l'a pas faite, par contre. Ça va être combat. Ouais,
Non. Accroupi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre prix qui est devant. Ah, oh, l'enfoiré. Esquiver. Putain, merde. Alors attends. Faut que je les assemble un peu. Regarde pas. Nickel. Putain, comment on va les défoncer? Bon, je peux peut-être d'abord les taper. Oh, qu'est-ce qui se passe? Chier. Je le savais. Ashley. Mon dieu, j'ai tout loupé, tu vas me dire? Ça va? Ouais. L'autre, il me fait tellement chier. Léo! Il est revenu! Putain, il m'a fait peur ce con. Reviens ici. Attention. C'est marrant, j'ai l'impression d'être invincible au cri. Non, apparemment non. Oh merde. Ah putain. Je suis pas invincible, hein. Ça la tue si je balance une grenade ou pas? Normalement non. Encore cette sacrée. Ashley. Bon là on est blessé. Bon, on peut se concentrer sur le connard maintenant. Ils reviennent pas à l'infini quand même. Ashley, est-ce que ça va? Ouais, merci.
Ah, c'était... J'avoue que c'était chaud. Ça va, niveau ressources, on est pas mal, on a ça. Faut vraiment que j'utilise les carreaux explosifs, j'y pense plus en fait. C'est vrai que je me débrouille tout le temps avec le pistolet, fusil à pompe et tout, mais ça, je crois que ça sauverait beaucoup de munitions au final. Ouais. On s'est soigné une fois, on a augmenté notre vie, on s'est fait refaire toucher après, ça va. Honnêtement, c'est pas... Ça doit être l'autre qui a fait tomber le rubis. C'est pas terrible, ça va. On a vu pire. Oh, je crois qu'il y a des coffres et tout. Attends. Parce que du coup, quand on remonte, on peut plus revenir. Nickel, bien. Il y a quoi? Je vais être franc, entre les nouveaux Resident Evil, genre le 7 et 8. Il n'y en a plus. Okay. Le 7 et 8. Donc, qui sont les derniers en date. Le 7, j'ai bien aimé. Sans plus, honnêtement. Sans plus. Le village était mieux, le 8. Le village était quand même bien mieux que le 7. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Mais si j'avais le choix entre un RE4 plus RE2, remake, bien sûr... Je prendrais ceux-là quand même. Ils sont beaucoup plus fun. Ils sont beaucoup plus fun à jouer. Le 7 et 8, en fait, le problème qu'ils ont, c'est que Capcom ne savent pas vraiment faire... Je vais être honnête. Capcom ne savent pas vraiment faire des jeux de tir. On peut voir que... Enfin, même RE4, RE2 et tout ça, ils ont des lacunes, en fait. C'est pas de la simulation de tir... Genre rien que des détails comme on peut pas vider les balles d'une arme et tout ça. C'est plein de petits détails, attention, je dis pas que c'est... attendez, je bois un coup. Je dis pas que c'est des gros trucs, des grosses lacunes. Mais le 7 et 8, après, ça devient des FPS en fait. Et les FPS, il faut un minimum que ça soit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça soit un minimum bien. Et le 7 et 8, c'est pas des bons FPS. C'est des bons jeux et des bons Resident Evil, ils sont très bons. Mais c'est des mauvais FPS. Et rien que le fait de pas pouvoir mettre en visée à la ligne... Ah putain. Genre à la mire et des trucs comme ça. Rien que ça, rien que le fait de pas pouvoir faire ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Bah attendez. Faire ça. D'accord, Léon, tu veux pas... En plus, j'ai... Dégage. J'ai évité de... Putain, j'ai merdé encore une fois, c'est cool. Ouais, t'inquiète. J'ai arrêté de viser exprès pour... Pour pouvoir contrer, mais apparemment non. Ça va me rendre fou. Ouais. Bon, après, on a quand même pas mal de soins. Là. On a une bonne réserve de soins. Donc ça va, mais ça me fait quand même bien chier. Hein. Ça me fait bien chier. Donc, honnêtement, si on veut parler de pur jeu FPS, et, bah, ils sont pas bons, le 7 et 8, comme jeu de tir. Comme je disais, le fait de pas pouvoir mettre à la mire, juste des détails comme ça et tout ça, en fait, ça rend le jeu bah, médiocre.
En point de vue FPS, encore une fois, hein. Je dis pas que le jeu en eux-mêmes sont mauvais. Hein. Mais voilà. Et du coup, c'est des grosses lacunes en fait. Et c'est pas très fun. Ah, bien joué. Au final. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ouais, les jeux à la troisième personne restent quand même. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Reste quand même bien mieux. Je suis intéressé de prendre ça. Je suis très intéressé. Mais bon. Alors. Elle va pas te faire tuer, hein. Je vais être honnête, je suis un peu dégoûté de m'être fait toucher par le mec avec le fléau là. On aurait vraiment pas dû se le prendre cette attaque. On aurait vraiment pas dû se la prendre. Pas grave. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Alors, fais voir. Coup de réparation du couteau. Ah tiens, on peut faire de l'argent aussi, oui, parce que là on a trois prêts. Coup de l'amélioration des armes. On va pas créer de munitions. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Un scarabée. Merci. Je l'ai mis la ré... Fais bonne route. Si, si, on l'a mis la réparation de... Modifier... Réparer. Rien de plus facile. On a ça aussi... Essaye d'y faire attention, d'accord. Oh, 47k, on pourrait. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Qu'est-ce qu'on fait? On garde de l'argent de côté. Et j'ai plus grand chose à vendre en fait. À part, évidemment, un spray. J'achète tout et n'importe quoi. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. On va attendre un peu. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. C'est vrai, qu'est-ce que je peux vendre? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Ah tiens, il y a le couteau de botte aussi. On a un couteau de botte. Ce sera pour les carreaux qu'on perdra quand on les fera exploser. Non, mais on va rester comme ça. En quoi ? On va pas faire l'amélioration du fusil à pompe encore. Quand j'aurai l'argent, peut-être. Attention, munitions de pistolet. Donc ouais, les Resident Evil à troisième personne sont techniquement mieux au final. Oh la vache, t'es sérieux? Il y en a beaucoup là. Recule. Muerte. Muerte? Non. Va-t'en. Allez. Vous voyez? Couteau et pistolet, comment c'est puissant? Je fuirai pas.
Attends-moi, Léo. Ok. Ah, c'est la fin du... Oh, non, libérez Léon. Oh. Ok, bonjour madame. Oh mon dieu. Mon dieu, comment elle court. C'est quoi ça? Oh. Éclairé devant. Ils aiment pas la lumière. Ah, vous avez vu la main? Genre, attendez, si on peut voir. Elle est bien en train de muter. Hein. J'imagine que c'est la partie très très horreur. Ça m'a fait peur aussi. Me fais pas peur comme ça. Ah, la peur du rat. Toi aussi t'as un paquebot, hein. Quand tu tournes et que tu changes de direction, tu veux pas. Hein. Tu continues dans ta lancée. Hein. Une horloge? Tu peux casser ça ou pas? Non. Alors, les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. Ne crains pas les ténèbres. Je sais pas, à midi. Les aiguilles bougent. C'est pas ça. Ne crains pas les ténèbres. Genre ça. Étonnant que c'est ça. Non, attends, c'était quoi? J'arrive pas à voir. Non, mais c'est trop petit, ça doit pas être ça. C'est qui là? J'arrive pas. Non, mais ça doit pas être ça. Les ténèbres. C'est moi ou il y a une créature dedans? On peut la voir. Ouais, avec la lampe, je vais sûrement la protéger. Me protéger. C'est joli. Hein. C'est joli. Tellement de statues vivantes. Ok, il faut boucler. Pas de statues de... armure. Il doit y avoir une salle secrète en haut. On monte. Toi, tu veux pas casser les pots. Tu veux casser. Trousseau de clés. D'accord. Des clés. Ouais.
Ouais, mais ça vient de s'activer là, les machins. 4 clés accrochées à un anneau métallique. Tu vois un peu ? C'est joli ça. C'est quoi ça ? Poisson, serpent. Je sais pas. Et hibou. Ah, c'est pas un scarabée ouvert ça ? Genre, ça ne représente pas un scarabée ouvert ou un truc comme ça ? Enfin, peut-être pas un scarabée, mais. Coléoptère. Ah ! Il nous faut un cube ici, ok. Cool. Dieu, je suis bloqué. Attends, parce que je crois que je me suis loupé là. Clé avec serre décorée. Là là là. On est au mauvais endroit. Il y avait rien derrière. Ou alors il faut les clés pour. Pour aider Léon, j'en sais rien. Je sais pas, on revient en arrière. Ouais, non, là. Ouais, on va pas revenir. Ouais, non, mais je suis parti au mauvais endroit, il fallait continuer tout droit. Bon, peut-être que les machins m'auront oublié. Je crois qu'il y avait quelque chose d'écrit. Bon, et ça, on peut le... On peut le faire ou pas ? Ouais, non, je vois pas. Les deux points en base m'étonneraient que... Je comprends pas en fait ce qu'ils veulent dire. Genre, n'aie pas peur des ténèbres ou je sais pas trop quoi. J'ai rien vu qui m'indiquait. Mais attends, il faut que tu t'avances en fait. T'es sérieux? Ah! Le coléoptère machin là! Il y avait le dessin en fait de ça. Honnêtement, si on la casse pas la lampe, faut la donner à Léon. Faut jouer avec ça. Léon ! Ashley ! Est-ce que ça va ? Attends ! Je vais trouver une solution ! J'ai peur qu'il fallait peut-être faire un truc avec l'horloge en fait. Là aussi, il y a une horloge. Okay. C'est quoi ça ? Alors, l'emblème. La clé pour sortir de cet endroit maudit n'est autre que l'emblème de Salazar. Pour le trouver, je dois m'aventurer là où se trouvent les... ces satanées armures, le mausolée souterrain. Seigneur miséricordieux, putain. Fais régner ta justice sur le vil usurpateur. Ce monde hystérique
qu'est Ramon Salazar et que ta lumière bleue bénie protège ton fidèle serviteur. Ça, ça n'existait pas hein, dans l'original, hein, le coup de la lumière bleue. Là. C'est intéressant. Ça. Ouh, ça a dû mal finir pour le mec. C'est écrit à la hâte. Alors, vas-y, on va prendre ça en screenshot. Donc écrit comme ça, c'est deux chiffres. C'est 7 et 12. Normalement, sinon, ça serait été... Si c'était tout ça en un seul chiffre, ça aurait fait le X d'abord. C'est du plus gros au plus petit, si je me rappelle bien mes chiffres romains. Et du coup, 4 barres aussi, c'est pas possible. On peut avoir 3 fois... On peut avoir que 3 fois la même barre. 3 fois le même symbole. C'est 1, 2, 3, 3 barres, et après à 4 c'est 5 moins 1, et après c'est 5, etc. Eh ben oui, il faut connaître. Bon après ça, c'est simple en fait, il suffit juste de... Alors c'était quoi? 7 et 12. Là. C'est ça? C'est pas ça? Ou alors c'est... Attends. Bah non. Je suis con ou quoi? Ah mais oui, je suis... Non, ici, je suis con. J'étais sur le 8, pardon. Voilà. Yes! J'ai vu une autre horloge comme celle-là tout à l'heure. Exact. Mais on sait pas les chiffres. Ah, j'étais tellement obnubilé par mon screenshot que j'avais pas fait attention que j'étais sur le 8 et pas le 7. C'est bien les chiffres romains, j'aime beaucoup moi les chiffres romains, je trouve ça drôle. Enfin après, si vous faites des chiffres gros, bon, ça prend 4 pages à écrire, hein. C'est complètement pas pratique. Hein. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on utilise les chiffres arabes du coup. Bouge. 1, 2, 3, 4, tout ça c'est... Attends. Ah, tu vas me dire qu'il faut que je retourne à la première horloge et c'est les mêmes chiffres. Dépêche qu'il y a celle de gauche qui arrive. Ne retourne pas. Non. Non, on est bon. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé les chiffres romains, je trouvais ça classe. Elle est plus là, l'armure. Elle était dans le coin, là. Ça doit être une des armures, en fait, qui me court après. Je crois que je les avais appris à l'école, les chiffres romains. Je sais même plus si maintenant on apprend ça aux enfants. J'imagine que non, honnêtement. Je suis certain qu'on apprend ça nulle part. Là. Allez, plus vite. Eh merde. On va bien bloquer les deux, en fait. Je pensais qu'on allait... Oh, merci. Allait avoir besoin de la clé. Je ne veux jamais voir d'armure. Ah, t'as rien à dire, Ashley? Hein? T'as rien à dire? Je ne veux plus jamais voir d'armure. Il y en a partout. Je viens juste de dire. Ah, voilà, comme ça tu réagis, c'est bien. Alors, ok, donc on a encore le système des... Je sens qu'elles vont toutes s'animer, quoi, quand... Quand on va partir.
On a les trucs à activer, les symboles. Attends, il faut que je m'en rappelle. Mais je vois rien avec la lumière. Aigle, serpent, poisson, dragon. C'est quoi ça? Ouais, à droite là, c'est quoi? Dragon. On va dire poisson, c'est une queue de poisson. Serpent, aigle, poisson et cerf avec une balance. Putain, j'ai déjà oublié. Aigle, poisson, aigle, poisson, serpent, cerf. Aigle, poisson, serpent, cerf. Aigle. Ah, j'avoue que c'est la merde. Serpent. Mais je crois qu'en fait, il faut tous les activer. Allez-vous-en. Cerf. Oh là là. Ah non, c'est pas là. Putain, c'est où? C'est à droite? C'est là-bas. Oh, derrière moi. Ok, elle a cassé l'endroit. Ah, merci. Voilà, merci, merci, merci. Elle était pas mal celle-là, tiens. Ah, elle était pas mal celle-là. Qu'est-ce que je viens juste de dire? Oh putain! Je crois qu'il faut la faire casser en fait. Faut faire casser la paroi. Allez-vous-en! Et il me manque l'aigle. Non mais j'ai tout fait, il me manque juste l'aigle. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Ah, ne montre pas ça. Oh la vache. Serpent. Attends, ça m'expose. Ah, elles sont stoppées parce qu'il y a de la lumière ici. Sympa. Oh, regardez là, les yeux. C'est dégueulasse. Toi aussi tu vas. Pourquoi toi t'es en or? Oh mon dieu, il y en a de plus en plus partout. Magie. Imaginez le prix d'une collection comme ça, d'avoir des armures authentiques. Alors, faire. Okay. Putain, mais Ashley, déplace-toi, quoi, bordel. Un paquebot, quoi. Ah, ok, elles sont chacune des lampes est différente. Donc là, c'est la lune, ça c'est la croix. Ça marche. Putain mais Ashley, bordel. Mon dieu. Ah oui, ça y est, on a l'emblème là. À mettre.
salade. Non, non, la lumière. Encore. Oh merde. J'en peux plus. Ah, ils m'ont défoncé, ils m'ont retiré mes lampes en fait. Oh la vache. Je fais comment moi? S'accroupir. Oh mon dieu, on dirait du Silent Hill là. C'est classe. Soyez sympa, ne bougez pas. Oh, c'est marrant. Honnêtement, t'aurais pu prendre une torche qui était accrochée au mur. Oh la vache. Ah, y en a partout. Dépêche. Je suis dans mon coin. N'avancez plus, je suis dans mon coin. Aïe aïe. Ah oui, mais je fais quoi là? Oh là là. Oh oh oh. Je me rappelle plus exactement où est la porte avec l'emblème par contre. Enfin, l'emplacement. Alors. Coffre avec serrure décorée. Coffre avec serrure décorée, c'est le cube, je crois. Boîte avec serrure carrée. Non, boîte avec serrure carrée. Non, nous on veut ça du coup. Je crois. Mon dieu, je sais plus. Ah, enfin en forme de bouclier. Ok, c'est tout droit. Oh, oh, oh. Je vois que dalle. Oh oui, dans le noir, c'est bien ça. Un truc, on peut pas se baisser quand on sprint. Ça, c'est con. Putain, je vois rien du tout. C'est pas du tout là qu'on devait aller. C'est bien. Non, il fallait que j'aille là. Il fallait que j'aille à l'ascenseur, en fait. Là, il faut arrêter de sprinter pour pouvoir se baisser. Ça. Ah, oui, bien. Là, par contre, on va peut-être mourir. Là. Faire grand chose, j'ai merdé mon échappatoire. Je suis allé au mauvais endroit. Ça fait deux fois que je vais au mauvais endroit. Ah oui, donne-moi un conseil de la flamme bleue quand on l'a plus. Ça, hein. Ah, attends, j'ai la clé. Ça. Non. Je suis teubé ou... Je vois pas la différence. En fait. Ok, ça sera pour Léon du coup. La serrure carrée, c'est Léon. Ça marche. Attends, non, on veut aller où du coup? Merde, putain, ça me fout. Ah, là. Escalier à droite. Okay. Ah, super! C'est marrant, ils ont des animations pour passer les portes. Parce qu'elles sont trop grandes.
Ah! On est passé. J'y suis presque. Là. Ok. Léo! J'aurais dû sauvegarder. Ashley! Tout va bien? Ouais. Attends, je vais te sortir de là. Donc Léon a tué tout le monde depuis la cage en fait. Il est fort, hein. Hé hey, attrape. Tu crois que tu peux descendre? Je te rattrape. Ouais, c'est jouable. Vous êtes tous les deux un peu trop lents. Dépêchez-vous, parce que ça me... Ah! Ah, oh, ça... C'est trop bizarre. Merde! Voilà. Je l'avais dit. Hein. Je me sentais venir gros comme une maison. Eh ben, elle est morte deux fois quand même. Hein. Il a duré longtemps ce chapitre, oh la vache. Ouais, entre les allers-retours, il a duré très très longtemps. Bon, bah ça va, c'est bien, on est passé. On va s'arrêter là, pour cet épisode, on continuera la prochaine fois. Bah c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça avance bien. Ça avance bien. Point de vue ressources, on est très bien. Faut qu'on continue à acheter les premiers secours, là. Comme ça, on aura toujours un petit, une petite avance sur les soins. Et on n'aura pas de problème. Après, on pourrait faire des munitions. Enfin, on a 45K de ouais, PC-TAS, là. Ouais, bref. Enfin, je vois. Non, ça va, ça va. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.